Bonjour à tous. L'actu de la recherche d'emploi et de la vie au travail, c'est le JT de l'emploi concocté par la rédaction de Cadre Emploi. Vous n'avez toujours pas trouvé le métier qui vous fera courir au travail le matin? Eh bien, si vous suiviez l'exemple de Matt Frost, ce trentenaire britannique vient de tester 52 emplois en un an. Concepteur de jeux vidéo, éboueur, forgeron, serrurier, livreur de pizza et j'en passe. Il a essayé tous ses métiers pendant quelques jours en travaillant pour de vrai chez différents patrons qui ont joué le jeu. En Grande-Bretagne, c'est possible grâce au programme One Week Job. Un patron vous permet de tester l'emploi de vos rêves pendant une semaine, mais votre salaire est reversé à une œuvre caritative. Matt Frost a poussé la logique à l'extrême en en testant 52, mais ça lui a plutôt réussi, hein, puisqu'il sait désormais qu'il veut travailler dans l'industrie des jeux vidéo. Pour souhaiter ses vœux, le groupe Randstad se la joue militant, avec un calendrier qui fait rire jaune. Les 12 dessins du génial Antoine Chéreau épinglent les stéréotypes discriminants à l'embauche et au travail. Mieux qu'un long discours, regardez celui du mois d'avril. Cherchez un travail? Ben oui. Et vous êtes noir? Ben oui. Vous m'aidez pas beaucoup. Voilà, on espère retrouver ces calendriers dans tous les bureaux de tous les recruteurs qui jurent la main sur le cœur, lutter contre les discriminations. Ça prouvera au moins qu'ils ont de l'humour. Et pour finir, je vous signale la création d'une nouvelle pièce de théâtre inspirée par Pôle emploi. Le spectacle s'appelle 39-49, veuillez patienter. Il est en pleine répétition et sera joué à la Canopée de Ruffec par la compagnie Carna au mois de mars prochain. Bon, ils n'ont pas encore tourné d'image, vous voyez à l'écran l'un de leurs spectacles précédents, mais un seul acteur sera sur scène et jouera le rôle d'un homme dont la vie a basculé le jour où il a perdu son travail. Devenu homme d'entretien dans une agence Pôle emploi, il observe l'institution de l'intérieur. Voilà, le JT de l'emploi se referme. En attendant de se retrouver, n'oubliez pas d'envoyer vos vœux à vos contacts. Moi, c'est comme ça que j'ai décroché mon job. Bonne semaine à tous!